bonjour à tous. Je suis Pierre Ibuet, président et directeur technique de la société Ostésis. Voilà, comme vous l'a dit Eric Stindel, nous sommes une société issue du laboratoire brestois Latim. Nous sommes implantés sur le Technopôle à Plouzané, près de Télécom Bretagne. On est soutenu par pas mal de partenaires institutionnels. Et comme vous l'a dit donc Eric, on est issu du Latim. Donc, l'équipe de direction d'Ostésis est composée de trois hommes clés, moi-même, Eric Stindel et Stéphane Lavallée, ancien PDG de la société Praxim, dont vous a parlé notamment Eric, qui dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la chirurgie assistée par ordinateur. Notre équipe technique est composée de quatre ingénieurs, moi-même ingénieur en mécanique, Damien Cariou, ingénieur logiciel, Laurine Boyer, ingénieur biomédical et responsable qualité, et Zoé Herdib, ingénieur logiciel, qui est encore en thèse actuellement au sein du LATIM et qui nous rejoindra très prochainement. Eric Stindel est également le président de notre équipe scientifique et clinique, composée de trois Français, Christian Roux, qui est l'ancien directeur du LATIM, Christian Lefebvre, directeur du service orthopédique du CHRU de Brest, donc le docteur Romain Gérard, à la polyclinique Pierre-Audrin, et également une Écossaise et trois Américains qui nous ont rejoints en 2012, dont deux professeurs issus de la prestigieuse Washington University de Saint-Louis dans le Missouri. L'arthrose précoce du genou intervient généralement sur un seul côté du genou. C'est l'arthrose précoce, elle génère des douleurs. Elle atteint majoritairement des femmes de plus de 65 ans, mais aussi de plus en plus de personnes plus jeunes. Et elle génère des douleurs, notamment, elle est notamment provoquée dû au surpoids. Le nombre de prothèses totales de genoux est en augmentation exponentielle et conduit souvent à des prothèses de révision handicapantes et invasives pour le patient. Il est donc urgent de proposer en amont des solutions permettant de traiter l'arthrose. Et beaucoup d'industriels s'y intéressent et proposent des solutions diverses. Dans la chaîne des traitements possibles de l'arthrose du genou, allant du médicament à la prothèse de genou, Ostésis se positionne sur le marché des ostéotomies tibiales. Les ostéotomies tibiales constituent une. Pardon, excusez-moi. Les ostéotomies tibiales constitue un complément indispensable dans de nombreuses réparations de cartilage et préserve l'articulation 100% intacte. L'ostéotomie tibiale consiste à réaligner la jambe en soulageant le compartiment malade et en surchargeant le côté sain. On va réaliser une coupe de 6 à 8 cm sous le genou. Une incision de 6 à 8 cm sous le genou, puis réaliser une coupe partielle jusqu'à un point vert ici, nommé charnière, et réaliser une ouverture de quelques degrés autour de cette charnière. Ensuite, on va fixer cette ouverture avec une plaque métallique à poser directement à la surface de l'os, et l'os va repousser dans la cavité créée en quelques mois. Cette chirurgie donne d'excellents résultats quand elle est pratiquée par des experts comme le professeur Stindel. Malheureusement, elle est très difficile techniquement. Il faut réaliser une ouverture de quelques degrés pour atteindre un alignement osseux compris entre 183 et 186 degrés. Il faut planifier l'ouverture sur des images goniométriques. Or, ces systèmes sont deux-dimensionnels, en projection 2D, pour une problématique tridimensionnelle. Vous imaginez clairement les problématiques. De nombreux chirurgiens sont effrayés par cette chirurgie car il y a un fort risque de rupture de la charnière osseuse avec les instruments existants. De nombreux tirs radio sont nécessaires, ce qui irradie le patient bien sûr, mais aussi l'équipe chirurgicale. Enfin, l'implant utilisé, comme je l'ai dit, la plupart du temps, c'est une plaque métallique de plusieurs millimètres d'épaisseur, qui va constituer une gêne pour le patient car il va la sentir sous la peau. Pour répondre à ces difficultés, Ostésis a développé une technologie orientée autour de quatre technologies clés.
une station de navigation miniature propriétaire qui va servir de GPS de chirurgie, un logiciel installé sur cette station très simple d'utilisation qui est dédié à l'ostéotomie tibiale, des instruments chirurgicaux intelligents navigués dans l'espace, guidés par le logiciel et la station, tout cela afin de poser un implant mini-invasif affleurant la surface de l'os et totalement intégré. Je vais vous présenter une petite vidéo, alors, et tout ça est protégé par 7 brevets internationaux. Je vais vous présenter une courte vidéo de notre procédure qui n'est pas très détaillée pour des raisons de confidentialité. Donc, comme je vous le disais, notre patient est atteint d'une arthrose du genou sur le compartiment interne du genou, dû à un genou varum, un mauvais alignement de la jambe. Ça va lui provoquer des douleurs. Je ne sais pas passer les slides. Alors, comment Ostéis va intervenir? On va installer une station de navigation proche du patient, installer des instruments qui vont localiser la jambe directement dans l'incision, pas d'incision supplémentaire. Et puis, à l'aide d'acquisition sur le patient, on va obtenir les données pathologiques du patient directement, donc une planification automatique, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc là, on a obtenu les données pathologiques du patient à l'aide de la station. Et puis, on va réaliser la coupe du tibia. On va installer un guide de coupe. Ce guide de coupe également est localisé par la station. On va pouvoir l'orienter suivant le plan sagittal, le plan frontal. Puis, on va pouvoir également régler une butée de profondeur pour éviter de couper cette charnière, la fameuse charnière dont les chirurgiens ont peur. Une fois qu'on a réalisé la coupe, on va pouvoir réaliser une distraction autour de ce point charnière et on va contrôler en temps réel l'angle entre les centres articulaires, la rotation et la pente. Le logiciel va nous donner automatiquement l'implant à utiliser. Pour poser l'implant, on va réaliser une cavité dans l'os de part et d'autre de la coupe. Puis, on va installer l'implant et le fixer à l'aide de 4 vis. On va pouvoir retirer les instruments et la chirurgie est terminée. Donc, les avantages, pour revenir un petit peu sur les avantages de cette chirurgie, l'alignement obtenu est toujours parfait. On a un contrôle de l'ordre du degré de la précision. On affiche en temps réel l'angle entre les centres articulaires, le pourcentage, la pente et la rotation, et l'allongement osseux. On va également obtenir en direct la taille de l'implant à utiliser. La planification de la chirurgie est immédiate et automatique, est réalisée sans imagerie préopératoire. La coupe tibiale est parfaite et sûre. On règle l'orientation, on est en contrôle parfait de l'orientation, de la taille de la charnière et de sa position, et la coupe est reproductible. On n'utilise plus du tout de rayon X. Et l'implant, comme je vous le disais, est mini-invasif, affleurant à la surface de l'os. C'est un implant en pic. C'est un matériau biocompatible, beaucoup utilisé notamment dans les cages de rachis. Et d'épaisseur nulle, il est affleurant à la surface de l'os. C'est une solution très attractive parce qu'elle est step by step. On suit vraiment un protocole très simple en quelques étapes. Et ça reste une chirurgie remboursée par la Sécu. Alors, on a un peu galéré avec Ostésis. Entre 2009 et 2012, on a développé plusieurs concepts qui n'ont pas toujours marché. Et puis, courant 2012, on est arrivé à une solution qui est proche de celle qu'on a aujourd'hui. On a déposé 4 brevets. 4 leaders d'opinion américains nous ont rejoints. Grâce à une aide à la faisabilité de la BPI, on a pu valider fin 2013, lors d'un essai en laboratoire d'anatomie au labo de Saint-Louis, aux USA, notre système. Et lors de 4 essais spécimens au laboratoire d'anatomie de Brest en 2014. Nous avons déposé à nouveau 3 brevets et nous allons désormais rentrer en phase d'industrialisation. Nous sommes à la recherche d'un investisseur. Comme vous le disiez, Eric, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours rose dans les startups ou d'un partenaire industriel et prévoyons une mise sur le marché de notre produit courant 2016.
Merci de votre attention.